بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ فرسير، si nous guettons comme un rappel de ce qui nous fin prend concernant la qualité Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de là, quand nous disons suivant, ces qualités Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous disons bonne qualité, c'est bonne qualité qui Allah subhanahu wa ta'ala ena en donné ce qui nous appelle fidatihi, c'est ça qui nous fin prend dans le début, comme par exemple, quand nous apprenons suifatul mahabba, mahabba qui veut dire contentement, content, un amour avec affection. Alhamdulillah, nous finissons de commis ayat Qur'an, ban hadith qui fait nous connaître Allah subhanahu wa ta'ala et sa qualité là dans lui. Allah subhanahu wa ta'ala et sa qualité là dans lui. Pareil comme ça même, cher frère, nous finissons sifatul rahma. Sifatul rahma, sifa, qualité, ar-rahma, pitié. Nous finissons, alhamdulillah, veut dire pitié, il vient en deux. De là, nous gagnons nous ar-rahman, ar-rahim. Ensuite, lit Allah subhanahu wa ta'ala, sa qualité qui appelle pitié là, quand il vient faire la création. Ensuite, lit Allah subhanahu wa ta'ala, concernant sa pitié là, quand il vient réserver ça juste pour un croyant. Troisième, nous t'y prends sur le rida, Allah subhanahu wa ta'ala, il est satisfait. Et comment nous t'y guettons ensemble, alhamdulillah, qui au fait, il vient dans tous les trafics. Nous satisfait avec Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala satisfait avec nous. Alhamdulillah, nous t'y qui au fait plus grand parmi man plus grand récompense qui est un habitant Jannah et na, c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala satisfait avec lui. C'est pour ça qu'on me rappelle quand nous guettons dans surah 9, surah Tauba, que Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ridwanu minallahi akbar, et satisfaction depuis Allah subhanahu wa ta'ala les plus grands. Il n'y a pas fini de comparer avec Nanyé. Il finit de dire, il plus grand. Connaît que satisfaction, Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, ça même pas mis un plus grand qu'une chose qui est incroyable, capable d'atteindre. En dernier qui nous dit français, même passé, chers frères et sœurs, c'est sifatul radab. Al-radab veut dire colère. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a colère. Oui, il y a colère. Nous t'y guettons Allah subhanahu wa ta'ala dans surah 4, surah Nisa. Quand il peut cause l'un de celui qui tue un croyant intentionnellement, Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَهَدُبَ اللَّهُ عَلَيْهِ » Allah subhanahu wa ta'ala en collait avec sa qualité du monde. Et pareil comme ça même, il y a un hadith que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous concernant Allah subhanahu wa ta'ala, action qui un du monde fait, qui fait les mérites, coller Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, chers frères et sœurs, par la cause Allah subhanahu wa ta'ala et la colère, veut dire un qui qu'un pensée, mais il y en a colère, oui, il y en a colère. Qui fait? Parce que comment il y en a satisfaction, comment il y en a contentement pour ban qui vivent de son obéissance, mais pour ban qui vivent de son désobéissance, qui les vous faire? Qui les vous faire? Les comptes satisfaits avec eux, les comptes qui sont contents, ou bien pour vous avez une qualité d'un robe, d'un créateur, avec toute justice, qui les pour une qualité de satisfaction? Et aussi pour une qualité de colère. Et en dernier, chers frères et sœurs, l'autre qui nous prend, c'est qualité, sifatu al-la'na, malédiction. Malédiction.
Quand nous disons bien alhamdulillah, quand nous pédions malédiction, oui, dans nos contextes, nous disons l'ingain malédiction. Mais seulement au fait qui prend place, c'est qui l'ipiedi rahmat Allah, l'ipiedi pitié Allah. Le fait qu'il l'ipiedi pitié Allah, ça qui appelle l'ingain malédiction. Faudrait pas nous penser malédiction, c'est une chose qui vient là au dimoula l'ingaini. C'est pas l'ingainer ça. C'est l'ipiedi une petite chose. L'ipiedi quoi? L'ipiedi pitié Allah. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala n'est plus et n'a pitié pour ça dit moun là. Comment Allah subhanahu wa ta'ala n'a pitié pour ça dit moun là? Mais qui dit vous faire la terre? Comment allez-vous rester? Donc de là nous dit bien, chers frères et sœurs, comment nous finissons pour la semaine passée, alhamdulillah, c'est quoi? C'est qui une personne, les bizarres connaît que Allah subhanahu wa ta'ala il est capable d'enlever sa rahma, sa pitié qui est là pour nous. C'est ça même qui nous appelle l'ingain malédiction. Et pareil comme ça même, alhamdulillah, nous finissons dans le Coran 32 places. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il envoie malédiction aux 11 catégories du monde. Dans 32 places. 32 ayats du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala précise bien un y'en a malédiction, déjà m'y envoie lui. Le kiban du monde, l'état nous guette tous les 32 ayats, excepté l'hyperétoun l'eau. 11 catégories qui finissent malédiction Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout? Non. Qui fait? Parce qu'il vient de ban hadith. Il vient de ban hadith. Nous ne sommes pas capables de prendre tout ban hadith. Mais alhamdulillah, la semaine passée, nous finissons prendre 3 hadiths qui montrent nous qu'il y a une action qui est un dimoun capable de faire l'eau la terre. Il y a un co-vivant. Allah subhanahu wa ta'ala finit de gagner. Il n'arrête de gagner pitié pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala fin éloigne son pitié pour lui. Par exemple, pour un celui qui fait tatouer sur l'écho, pour un celui qui fait tatouage, pour un celui qui ajoute CV dans son CV, pour un celui qui demande pour faire ça, pour un celui qui fane les dents pour faire beauté, pour une fille, une madame qui enlève cheveux depuis son visage, plus précisément nous peut référer dans sa haditha à souci. Et comme ça même nous termine le hadith que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam montre nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala concernant ça qui nous appelle la boisson alcoolique divin et dans 10 catégories qui gagnent sur malédiction. Faudrait pas nous penser quand nous trouvons ça bail là, une soule aussi, mais l'hypémorcé, nous gagnons tout seul avec sa rigueur, ça un désobéissant, ça un tiken qui gagne malédiction Allah. Non! Deyeli et n'a qu'au 8 dimoun. Deyeli et n'a qu'au 8 dimoun. Plus li la personne qui vient consommer neuf, et dit j'aime la boisson là, lui-même, la malédiction. Védiel est en ligne bois. Ligne bois quoi? Ligne bois, malédiction Allah. Sans compter l'action qu'il peut faire à ce terre, fait li gagne malédiction. Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, ça c'est un rappel de ce qui vient passer avec nous depuis le début. À partir de là, nous dit, quand nous guettons dans le début, ce qui nous dit prend, c'est ce qui nous capable de dire comme introduction, ban qarida, ban base, basant l'eau-là qui nous construit, ban qualité Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour nous, mais c'est ban limite qui à aucun moment ne va pas sauter. À aucun moment on n'est capable de sauter. Pour aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous pouvons commencer de sa façon-là. Qui fait? Parce qu'il a nous peut dire bien, alhamdulillah, et inshallah, quand nous apprenons nous maintenir l'eau-là, nous pouvons sauter un de bonnes pas essentielles concernant qualité, Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, pas un jour spécial, non, il n'y a. Non, c'est dans le cours de nous, ce qui nous peut apprendre concernant Allah, il arrive là, après avoir qu'il nous fait prendre 5 qualités, concernant lui, Allah subhanahu wa ta'ala de ce zat, à partir de là, nous bouger. Nous venons avec la réalité, peine pour nous hésiter, mais seulement nous prenons l'île neutre. Nous laisse parole Allah cause avec nous. Nous laisse parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam cause avec nous. Ensuite, nous guetter. Est-ce qu'il m'est capable sans cette chose là-dedans? Est-ce qu'il m'est capable d'interpréter dans une autre façon? En d'autres mots, ça qui pourra avec nous pour ça quelques minutes là, c'est un hadith. Ensuite, nous vous prenons qualité là. Et ensuite, nous vous expliquons à travers ban ayat Quran. Ensuite, nous vous continuons l'autre semaine, Inch'Allah, le ban hadith qui vient concernant sa qualité là. Et ensuite, chers frères et sœurs, nous vous venons ban qui vient essayer, tourner, essayer d'interpréter d'une autre façon, qui se dire, comment cette parole tomber. À partir de là, nous disons, chers frères et sœurs, prends-les bien, parce qu'il commence à nous dire à chaque fois, pas pour une appli grande connaissance, excepté connaissance qui nous apprend concernant nos créateurs. Concernant nos créateurs.
tout ça qu'il nous apprend retourne vers lui. À ce nous peut apprendre concernant lui-même direct, Bismillah, nous commençons par nous dire An Qais ibn Rubad قال صلى عمار بن ياسر بالقوم صلاة أخفها فكأنهم أنكروها فقال ألم أتم الركوع والسجود قالوا بلى قال أما إني دعوت فيها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه به rapporté par Qais ibn Ubad qui Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir, c'est un parmi les sahaba, chers frères et sœurs. Ammar ibn Yasir qui fin fait, il fin débute comme imam. Get ici, il dit Salla bil qawm. Salla veut dire salat, il fait namaz. Quand il fin bil qawm, veut dire il débute comme imam pour banna. Il débute comme imam pour banna. C'est pour ça que la traduction directement amène lui. Il débute comme imam pour banna. Prends haditha depuis là. Nous pourrons, Inch'Allah, directement à travers ce hadith. Il fin debout comme imam et il fin faire l'illéger. Salat a khaffaha, khafif. Khaffa ya khuffu veut dire léger. Khafif veut dire quelque chose qui est léger. A khaffaha veut dire l'in fait salat là, l'in fait namaz là. Bien léger. Veut dire vide. Fa ka'annahum ankaruha. Kouma dire ban jimoun ki ti deye li, ban moussalli. Je pas d'accord qui était. Je pas d'accord qui imam ça bin fait namaz. Écoute. Vous pouvez comprendre qui peut arriver un peu là. Est-ce qu'il peut comprendre qui peut arriver là? Parce qu'il azodi si imam fait zohar 15 à 4, vous t'avoir li côté. C'est pas possible. N et chaque 15 à 4, hein? Mais seulement devant nous hadith ça peut montrer nous les contraires. Le temps imam il fait l'écoute, ben n'a pas d'accord avec ça. Et n'a fin objecté, il dit à Zot, Fakol, il dit à Zot, je pas fin complètement Moroku, je suis bien. Je ne peux pas dire quelque chose là. Mais Moroku, je suis là. Fin en acquis de manquement là-dedans, je dirais, je pas fin faire bien. Ben là, je dis non, certainement, tu ne bien faire certainement, tu ne bien faire de là, il dit à Zot, Ama, il n'y a pas de fiha. Il dit à Zot, fin faire un dua, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tienne l'habitude de dire. Un dua. Le temps qu'il fait sa salat là léger, pour lui mettre poids dans sa salat là, il enseigne juste une petite chose qu'il connaît. Il enseigne ben là une petite chose qu'il connaît. Qui petite chose qu'il connaît? Ammar ibn Yasir, radiallahu anhu, lui dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne-moi pour dire, Allahumma bi ilmika al-ghayb, wa qudratuka ala al-khalq. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي لكمانسي أو الله بعلمك الغيب pour ta connaissance de l'invisible nous arrêtons la même الغيب غيب veut dire l'avenir plie devant depuis sa première phrase là chers frères et sœurs nous attachons des gemelins وقدرتك على الخلق قدرة Qudra veut dire la force, capacité. Ralal khalq, l'autoban création. Le temps nous guette ça de Allah, chers frères et sœurs, il commence par ça qui nous appelle, voici là. Oui, mais seulement qui voici là? Voici là, qui quand nous apprenons, alhamdoulilah, concernant ben nous, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, dans surah Al-A'raf, il dit, walillahi l'asma'ul husna, فدعوه بها الله سبحانه وتعالى انا بان بون نو في دعاء avec sa ban nom là invoque lui avec sa ban nom là pas ne dire ya Allah donne moi ça ya Allah dit bon mais seulement comme dire ya alim enseigne moi ya razzaq donne moi mon nourriture ya rahman gain pitié pour moi ya hafiz protège moi là il fait plus poids là il fait plus poids qui fait parce qu'il m'a cadré ban nom là l'autre quelque chose qui m'a Qui m'a peut demander? Dans d'une chère frère et sœur, tant qu'il s'agit de nous, Allah subhanahu wa ta'ala, tant qu'il s'agit de capacité, de suffat, qualité, Allah subhanahu wa ta'ala, nous gagnerons pas pour ça. Ou Allah, toi qui finis créer ça la terre et l'échelle là. C'est pour ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il levait pour ta hadjud, un de bandera qu'il fait, Allahumma anta nuru samawati wal ardi wa man fihin wa lakal ham.
ou Allah te même lumière tout bande chez la terre et tout ça qui est entre dedans et tout est loge pour toi wa anta qayyum as-samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamd et toi même qui tiens tout ça bande les chez la terre là et tout ça qui est en toi tout seul et tout est loge pour toi qui lui peut faire éloge Allah subhanahu wa ta'ala lui peut demander Allah subhanahu wa ta'ala à travers quoi à travers sa capacité à travers bonne qualité qui Allah est là. Demain quand nous faisons dua chers frères et sœurs, oui nous commençons nous liés pas sur la Fatiha, mais seulement sans lui. Fais-le venir en créole. Fais-le venir en créole. Cause avec Allah. Oh Allah toi qui n'as rien ça. Oh Allah toi qui n'as capacité. Oh Allah toi qui pas mort. Toi qui es vivant. Fais-le venir comme ça ça dua là. Fais-le venir comme ça. C'est pour ça qu'ici ça sahaba là montre nous qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finance nous. Allahumma bi ilmika al-ghaib. Que ça n'a connaissance rêve, ces histoires Allah. C'est une capacité qui Allah est là ou non. Wa qudratika ala al-khalq et ta capacité qui te donne toute création. Et ça quand un quelqu'un fait une con al-qudra, c'est quoi? Lui connaît qui peine la hawla wa la quwwata illa billah. Ahyini ma alimta al-hayata khayran li. Oh Allah, garde-moi vivant tant que toi te connais la vie meilleure pour moi. Qu'est-ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam enseigne? Ou Allah, tant qu'il a vie, bon pour moi, garde-moi vivant. Mais c'est moi, nous ne sommes pas capables de prendre ça tant qu'il ne va pas prendre deuxième partie là. Ou ta wafani, il a kanat il wafa khairan li. Mais c'est moi, fais-moi un amour, si l'amour meilleur pour moi. Là, il y a un problème à se dire. Qui fait? Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous pour demander l'amour. Pourtant, ça même profite dans un lot. Hadith rapporté par Anas radiallahu anhu qui dit qui personne parmi eux pas demande l'amour la cause un musibat un problème fin zwani qui personne parmi eux pas demande ça oui chers frères et sœurs mais seulement être sûr il n'est pas en contradiction du tout avec ce hadith qui fait parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ici il finit amène les deux il finit amène la vie l'amour quand on dit que là-bas quand on tombe dans le musibat on demande juste l'amour aïe ça plutôt Allah ramasse moi ça. Mais la villa côté à l'os. La villa côté. Quand on dit ici dans sa deux Allah, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam enseigne pour demander les deux là. Nous ne pouvons pas demander un seul. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et sœurs, guide bien les fins commence par connaissance Allah de l'avenir. Qui fait? Parce que ça qui connaît qui, ça qui plie devant pour nous, donne nous la vie, bon pour nous. C'est ça Allah. Qui s'en a connu qui donne nous la vie, plie devant, nous peut fauter. C'est Allah qui connaît ça. C'est pour ça que les fins commencent par. Chers frères et sœurs, nous continuons pour nous dire Rasoul sallallahu alayhi wa sallam enseigne-nous. Attention, dua là pour là, mais seulement alhamdulillah. Moi, nous continuons. Mais sinon, définitivement, un kigan pour dire moi ça dua là, parce qu'une fois qu'il nous apprend ni un, nous vous disons mémorise-le. Pas obligatoire. Le semaine, pas attendre du bout devant la porte, mais allez commencer à dua là. Non, une responsabilité de chacun parmi nous. Surtout quand nous mettons à la fin de sa dua là qui est là. Deuxième, ce qui nous besoin. Une fois qu'il nous apprend, reste répété, cher frère. Reste répété, cher sœur, dans nos namaz. Quand nous pouvons morcer, quand nous pouvons cuire, quand nous pouvons conduire, quand nous reste répété ça de Allah. Deuxième petite chose qui, nous pas dire deuxième, mais deuxième partie qui vient de ça de Allah, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam enseigne-nous pour dire Allahumma wa as'aluka khashyatik fil ghaibi wa shahada. وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفذ وأسألك القرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت لي بيغيس ديموندي ميم لا رسول صلى الله عليه وسلم بيغيس ديموندي دي بريمير فراز دو سا حديثا لين كوز كونسيرنون كاباسيتي الله سبحانه وتعالى ديجيام لي فين لو لا في والله سي لا في ميير بو موا غارد موا فيفون. Si l'amour est meilleur pour moi, veut dire trop beaucoup fitna, je ne peux pas le fauter, ou Allah fais-moi joindre l'amour. Ensuite, il commence à demander quelque chose qui est bizarre. Allahumma, ou Allah, wa as'aluka khashyatak. Khashya, khashya veut dire prière. Fil ghaibi wa shahada, en cachette ou bien au clair. Oui, chers frères et sœurs, nous vous trouvons dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, de beaucoup de place. À l'exemple de Surah Al-Mulk, quand il peut dire, Alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ban qui est la prière pour autres. Rêve. Veut dire même je pas trouve lui. Même je pas trouve lui en cachette, je dans la prière Allah. Je peine dans la prière Allah juste dans ma zid. Je peine dans la prière Allah juste l'osimé. Je peine dans la prière Allah juste quand je suis accompagné d'un kiken. Non, demain ou faire je tout seul dans la sam, la prière Allah toujours là. Ça qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner nous pour
pour demander. Wa as'aluka kalimat al-haq fi ridha wal ghadab. Et me demande-toi pour dire la vérité, qu'il y soit de satisfaction ou de colère. Et ça livré. Quand un djiboun rentre dans l'état colère, excepté qu'il arrive lui, il est balancé. Lui débalancé. Capable petite chose qui est vraie, il va accepter, reste tranquille. Lui va vous dire qui fait parce qu'il rentre dans l'état colère. Mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, même dans l'état colère ou bien dans l'état de satisfaction, nous dire vérité. Wa as'aluka al-qasd fi al-faqr wal ghina. Al-qasd. Al-qasd qui veut dire dépense. Dépense. Mais seulement quand tu dépenses avec toute justice. Ou Allah, me demande-toi pour faire moi vin al-qasd, veut dire dans le juste milieu. Concernant dépense, qu'il y soit si mon riche ou bien mon pauvre. Qu'il y soit mon riche ou bien mon pauvre. Si nous guette sa phrase là, les vient en correspondance avec ayat Quran qui trouve dans sourate 17. Sourate Al-Isra, que Allah subhanahu wa ta'ala dit: "Wa la taj'al yadaka maghloulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kull al-basth." Pas, on dirait ramasse ton la main. Est-ce que tu as dit quoi? J'ai tout étranglé toi-même. Mais c'est un crap. Wa la tabsutha kull al-basth. Sorry. Et ni te dépenser, comment dire? On dirait pas pour en cause de dépenser. Ça ça met Allah subhanahu wa ta'ala finance nous. Non. Un djimoun ni dépense contre ce qui est bizarre. Dans le juste milieu. Même dépenser, les bizarres être juste. Même si les pauvres. Qui fait? Parce que si les pauvres, ils ont une tendance plus diminuée pour les pas dépenser. Et si les riches, ils ont une tendance dépense beaucoup. Les deux capables de jouer contre les. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous pour dire Al-Qasr, fil faqri wal ghina. Nous vous faisons un ensemble de catégories là. Mais même quelques. Qui que ce soit, catégorie qui tu étais, excepté qui tu as besoin dans le juste milieu. Wa as'aluka na'iman la yanfath. Me demande-toi une faveur. Me demande-toi une faveur qui n'est pas enlevée. Pas enlevée, veut dire une faveur qui nous gagne. Depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous pédions une faveur, chers frères et sœurs, wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. C'est pour essayer contre faveur Allah, nous ne pouvons pas arriver là. L'eau le nombre. Mais seulement quand nous guettons bien, chers frères et sœurs, excepté nous vous trouvons qui, en d'autres mots, nous demandons à Allah tout ça qui donne de nous, ou Allah pas répondu seulement. Pas répondu, insane ça, insane. Oui, apporte ça qui te fait une destinée comme principe la vie pour les mots. Ben proche avec nous. Mais seulement quand on donne nous léger, quand on donne nous oreilles, quand on donne nous la santé, quand on arrive là pour nous mots, oui, nous pour mots. Mais seulement pas enlève, un pas par un fait nous souffrir, pour qui nous vienne joindre toi. Et quand nous guettons sa phrase là, chers frères et sœurs, excepté nous vous trouvons qui est parmi les sahaba dire c'est Jannah. Jannah. Narim, parmi les non, Jannah. Là, il y a une phrase, en deux mots, il peut demander Allah subhanahu wa ta'ala Jannah. Wa as'aluka qudrata 'aynin la tanqati'. Qudrata 'ayn. 'Ayn veut dire léger. Qudra veut dire un plaisir de léger. Plaisir de léger. C'est pour ça, par exemple, quand nous guettons dans Sourate Qasas, que Allah subhanahu wa ta'ala fait cause de Moussa alayhi salam, son maman. Après avoir quitté ses enfants qui n'allaient, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهَا كَيْتَ قَدْرَ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ. Nous finissons faire lire, retourne vers son maman. Comment retourne son maman? كَيْتَ قَدْرَ عَيْنُهَا. Afin qu'il soit léger, gagne sa plaisir là, quand il trouve ses enfants devant lui. قَدْرَ عَيْنُهَا, chers frères, c'est un plaisir, veut dire qu'un djimoun gagne à travers son vision. Qui ne sait pas couper. Quand nous guettons sur la sajda, concernant les gens qui, alhamdoulilah, je fais des efforts pour lever de tahajjud, Allah subhanahu wa ta'ala dit Tatadia fa junubum anil madaji ayadruna rabbahum khawfan wa tamaran wa mimma razaqnahum yunfiqoun. Je vais te lever depuis cette place de homi. Qui je vais faire? Tout ça qui Allah fin donne, je vais dépenser. Je vais dépenser. Fala ta'lamu nafsun ma ufiya lahum min qudrati a'yun. Un nafs pas connu qui Allah subhanahu wa ta'ala fin réservé pour lui min qudrati a'yun. Plaisir soligé. À qui peut référer à Jannah? Qui Allah fait une réserve pour lui quand il prend de Jannah, il trouve tout ça là? Ça l'igé là, c'est un peu content. Personne ne connaît, hein, chef. Personne ne connaît. Ça qui Allah subhanahu wa ta'ala peut dire de sa ayat là. Ensuite, des derniers, il dit Was'aluka ridha ba'da al-qada. Ou Allah me demande-toi plaisir, sorry, me demande-toi satisfaction de ça qui te fait décider. Al-qada. Si nous retournons un petit guide. Donc nous laissons, veut dire avant, ce qu'on nous fait concernant le destin, veut dire ça qui Allah finit décider pour nous, ou Allah, même les bons, même les pas bons, fait nous satisfaire, ça qui te finit décider. Wa as'aluka bardal raïchi bardal maud, et me demande-toi la vie après l'amour. Bardal raïchi, chers frères et sœurs, c'est quoi? C'est nous prendre, en gros,
à l'exemple des hadiths qui fait nous connaître un djimoun qui fait une reste de kabar, qui gagne une satisfaction Allah, pour dire que si Djali choisirait honte, tu aurais tout avec ta famille ou bien tu restes de kabar, il choisirait reste de kabar. Si Djali, tu es de kabar, tu aurais tout avec ta famille ou bien tu restes de kabar, chef Ressel, il choisirait pour reste de kabar, il choisirait pour reste de kabar. Elle comprend qu'il gagne. C'est moi qu'on gagne ça. Bardal mort. Bardal mort. Donc, il y a un plaisir qui vient, il y a une satisfaction qui vient après l'amour. Chers frères et sœurs, ça c'est Hadith, ça complètement. Ça c'est Hadith qui est avec nous là pour nous rendre dans le sujet. À partir de là, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui enseigne nos chers frères. Qu'est-ce tout ça qu'il nous demande là. Il peut venir même là. Un namaz qui est une fière à namaz, il y a un poids. Qui au fait, où qu'on est, on trouve imam, il écoute, il fait tirer, il fait tirer. Mais seulement, ça sahaba là, il fait un doigt là, donc le prophète s'est habitué à faire. En d'autres mots, les pères de Dieu, si je trouve ça coûte, je trouve l'illégé, mais je vais pouvoir ça de l'os. Qui est là comme ça là-dedans? Wa as'aluka ladhat nadri ila wajhik wa shawqa ila liqa'ik fi ghayri dhallah u mudirra wa la fitnat il mudilla. Ou Allah, et me demande-toi le plaisir pour guetter ton visage. Ou Allah, me demande-toi, ça qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous. Wa as'aluka ladhat nadri ila wajhika. Me demande-toi le plaisir pour guetter ton visage, pour guetter toi, ou Allah. Ensuite, wa shawqa ila liqa'ik. Et le plaisir pour me vinzouen, pour me vinzouen toi, le désir. Fais-moi un shawqa. Un shawqa, c'est quoi? C'est un want, un plaisir. Chers frères et sœurs, quand on content un kiken. Chers frères et sœurs, quand on connaît un kiken. Parmi les manifestations de ça, l'amour là, qui vient? Et mon vision de Tenzou. Moi, tu comptes Tenzou pour jouer de toi. Chers frères, est-ce qu'il y en a ça dans moi là, mon vision d'Allah? Qui fait? Parce qu'il ou pas pour jouer ni comme ça, non. Ou pour jouer ni, accepter ou pour trouver lui, oui, non. Accepter qui ou pour trouver lui. Et il contient, il dit, Firaïri d'Allah ou Modirra ou Allah fitnatul Modilla. Sans aucune adversité ou perdition, veut dire des avantages. Veut dire adversité, Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, quand nous guettons parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il y a des gens qui sont capables, Allah subhanahu wa ta'ala, pour cause avec eux. Mais c'est le nom de tribunal. De tribunal. Je fais pire là. Je ne peux pas gagner sa plaisir pour guetter là. Parce qu'il pourra le pénir les autres là. Ou bien, perdition des avantages, veut dire que Allah veut dire, mais prends les mettre dans l'enfer, entraîne-les dans son figure. Libétan n'a pas Allah, mais seulement qui pourra arriver à dire non. Est-ce qu'il est dans sa plaisir pour être Allah subhanahu wa ta'ala? À aucun moment. Donc, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finance nous pour demander à Allah ça, quelque chose là, en enlevant tout bon désavantage qui est capable de jouer là-dedans. Mais seulement ça qui est avec nous, chers frères et sœurs, c'est ça. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous? Il dit wa as'aluka, et me demande-toi, ladha qui veut dire? Ladha, c'est un mot arabe. Ladhid veut dire juteux, doux. Ladha veut dire plaisir. Donc on va dire lazat. Qui fait? Parce qu'au fait, chers frères et sœurs, si nous guettons, le mot ladha nous est venu de manger. Ladhid. Le mot ladha, dans le langage arabe, nous servit dans quoi? Dans manger. Mais seulement, ici, nous nous finissons servir. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam servir pour? Pour l'hygiène. Est-ce que vous pouvez comprendre une petite chose qui nous habitait servir pour un membre, veut dire la langue, nous teste, pour nous gagner goût. Ici, ça prophète là peut servir ça pour l'hygiène. Ensuite, quand ça finit servir ça, pour l'hygiène que vous trouvez, Allah subhanahu wa ta'ala. Et dernier partie de ce hadith, chers frères et sœurs, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, puis enseigne nous pour demander Allah subhanahu wa ta'ala pour. Quand nous peut trouver, accepter qu'il pardonne nous des avantages, ou bien une adversité veut dire le trop, beaucoup désobéissance, à partir de la chère frère, sifatun min sifatillah subhanahu, thabit veut dire sûr, et dans la conviction, chère frère, que Allah subhanahu wa ta'ala, et dans ce qui nous appelle al-waj, et dans ce qui nous appelle visage, et dans sa conviction là à 100%. Oumou loula, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ina visage. Oumou loula. Par les personnes venues, commence à mener une autre interprétation qui, Inch'Allah, l'autre semaine nous bougetter. Mais seulement pour Azoudi, nous commençons par dire
Al-Waj, chers frères et sœurs, est sûr dans le langage arabien, une signification qui veut dire direction. Deuxième signification, il veut dire visage. Il veut dire visage. À partir de là, nous guettons ban ayat Quran qui Allah subhanahu wa ta'ala cause avec nous. Il cause avec nous à travers ban action et il amène ça, sa qualité là. Nous commençons par nous dire Allah subhanahu wa ta'ala dit لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَ. Dans qui sura? Dans sura Yunus, ayat 26. لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَ. Chers frères et sœurs, il y a une traduction là en anglais. Comme tous les temps, nous sommes habitués à dire pays n'a plus bonne langue pour comprendre le langage arabe, excepté en arabe. Mais seulement en anglais comme une facilité, mais malheureusement, nous pas pour trop concentrer l'oli. Oui. C'est lui qui n'amène sa traduction là, c'est moi. Non, c'est lui qui n'amène ni comme attaché avec sa ayat là, il fin escape sa bout de visage là. Il escape. Chers frères et sœurs, nous peut dire bien qu'on peut dire nous waj et na la conviction Allah subhanahu wa ta'ala et na visage. Allah subhanahu wa ta'ala dit lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Pour ban qui fin faire ahsanu, ahsan veut dire qu'on fin faire bon. Al-Husna, Husna veut dire notre récompense. Wa ziyada. Qui veut dire ziyada? Ziyada veut dire extra, et en plus. En plus. Veut dire ban qui bougain faire bon action. Je bougain a ziyada. Sorry. Je bougain al-Husna. Je bougain notre récompense. Notre récompense, li pour 10, 20, 30, jusqu'à 700. Ça, c'est notre récompense. Mais une finie récompense, ziyada là c'est quoi? Moi, vous pouvez dire ou pas? Non. Moi, vous pouvez dire ou ça pour moi? Qui fait? Abu Bakr radiallahu an. Quand vous dire moi, un Abu Bakr radiallahu an, c'est qui ça n'a? Un Abu Bakr radiallahu an, nous chers frères et sœurs, un. C'est lui-même qui va nous dire, oh Abu Bakr, ton compagnon, peut dire dans une seule la nuit. L'in saute ma calinal palestine, il a le 7e ciel, l'in retourne. Est-ce qu'il te croit? Il dit ça, il dit ça, il dit oui, j'avais l'in fait. Chers frères et sœurs, prenez bien. Demain matin, Fadjal, imam, vini. Et imam, là, nous prenons l'exemple ici. Il dit combien de temps pour nous faire namaz et yali. Il dit comme ça, c'est la nuit qui nous passe là, là, l'in à Londres, l'in retourne. Ah, Félial toujours. C'est un coup. Parce que pourquoi son esprit n'allait? Pourtant, avec combien de technologies nous avons là, combien l'avancement nous avons, comme nous disons, nous ne pouvons pas avoir ça pour les livres. D'une seule là, nous avons longtemps de retourner, 12 ans de temps voyage ça. À l'étoile plus vite, tu vas finir de retourner Fadjar. Là-bas, nous pouvons causer 1400 ans de cela. Pas une semaine, pas un mois, pas un an, pas 10 ans. 1400 ans de cela. Dis-moi, un dimoun dans une seule nuit, une saute Makka, une al Palestine, une al au 7e ciel, une retourne dans une seule nuit là. Le temps du man à personne là, est-ce qu'il te croit? Il dit à l'inja ça, il dit oui, il dit à l'inja faire. Qui a tes convictions, il y a la parole de sa prophète? Connais-moi, il appelle Hadimoun là? Il appelle Abu Bakr radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans maladie qui peut faire une liquide sa dunya là. Il dit avec son madame Aïcha radiallahu anha, ferme tout accès vers moi. Je veux dire pas les personnes qui moi. Excepté l'accès Abu Bakr radiallahu anha. Un prophète de souffrance là. Ce réconfort de présence qui s'en a Abu Bakr radiallahu anha. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de sous la case. Premier salat, premier namaz qu'il a besoin de bout à le faire après avoir qu'il tombe d'une maladie. Quand il n'est pas capable, il débute, il avance, il rideau, il dit Abu Bakr radiallahu anhu. Il débute comme imam. Tu es un dit remplaçant d'un prophète, toi. Ça, c'est Abu Bakr, chef. Et en dernier, nous dit Abu Bakr radiallahu anhu, c'est ça qui sac du monde. Quand on peut faire un namaz, qu'il soit obligatoire, sunna, nafil ou bien n'importe quoi. Quand il peut dire Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim. Guide-nous vers le droit chemin, chemin ban qui fait faire faveur aux autres. Qui ban qui Allah fait faire faveur aux autres? Quand nous guide dans Surah 4, Surah Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit
concernant surat al-ladhina an'amta alayhim, li explique li di dire minan nabiyyin, des plus bons prophètes, was siddiqin, ibn siddiq. Qui sont les siddiqs sa umma là? Excepté c'est Abu Bakr radiyallahu anhu. Donc je suis impressé quand nous peut sa personne devant nous, ce nom connaît li pas? Li pas un di moun qui pou vinn dire ou qui sont à peu près dans ça, dans sa dîne. Qu'est-ce qu'il dit? Wa qara'a lil ladina ahsanu al husna wa ziyada. L'inliesa ayat là. Li dit quand ta bande qui fait une faire bonne bonne action, ou bien d'autres récompenses wa ziyada fa qalu ma ziyada ya khalifata rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ou toi khalifa du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le fait qu'il banna pe demandi sa question là directement veut dire lui-même à la tête de khalif. Lui-même qui à la tête de sa oumma là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit quitte nous. Lui-même à la tête de sa oumma là. C'est pour ça qu'il va mettre ça adjectif là avec lui. Ya khalifata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Li dit, قال النظر الى وجه الله تبارك وتعالى. Abu Bakr radiallahu anhu finit. Pour ban qui finit faire une bonne action, bonne récompense et en plus. Je finit dire c'est quoi en plus au khalifa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Li finit dire, النظر الى وجه الله. Regarde vers le visage d'Allah. Abu Bakr radiallahu anhu peut nous sachez. Est-ce qu'il vous pensez qu'il finit dire ça à peu près? Est-ce qu'il finit un autre meaning? Qu'il finit un quelque chose, c'est mal il prononce un autre mot? Est-ce qu'il nous peut attendre ça depuis Abu Bakr radiallahu anhu? Il peut cause concernant parole Allah. Qu'est-ce qu'un Abu Bakr radiallahu anhu c'est qui ça? T'as là, alhamdulillah, nous finit pas au milieu de ma faveur. Nous guettons d'une autre façon à se dire. L'étant le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Abu Bakr débute comme imam. Chers frères et sœurs, et n'a pas oublié de sahaba dire Abu Bakr. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam demandait qui fait. Il dit Ya Rasulallah, nous pas attendez qu'il y ait les explorer. Nous pas attendez qu'il y ait ça. Les explorer quand il fait imam. Ça qui te bien dit, il débute devant. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit oui, la cause, c'est mauvais, il débute. La cause il comprend qu'il peut dire bien. La cause il comprend plus bien qu'il peut dire. Get sa personne là, c'est qui ça? Peine une fois qu'il déboute comme imam, excepté l'in pleurer. Ça dit mon appel, explique tout parole. Allah subhanahu wa ta'ala, chef frère sœur, il peut dire an-nadhru ila wajhillahi tabaraka wa ta'ala. Le regard vers visage Allah subhanahu wa ta'ala. Si un Abu Bakr peut dire nous ça. Si demain on dit Allah subhanahu wa ta'ala in a visage ou tu es le moins c'est le lit parce qu'il dit non c'est mon ça lit non c'est mon ça moi nous qui nous peut faire nous peut suivre sa bonne qualité du monde là nous peut suivre une personne comme Abu Bakr radiallahu anhu et avec toute fierté nous peut suivre lui parole qui nous dit mot pour mot ou Abu Bakr nous comprend lui comme ça mot pas quoi tu fin rôde une autre signification excepté qu'il nous peut maintenir Allah subhanahu wa ta'ala visage oui non Allah subhanahu wa ta'ala ina visage nous continuons chers frères et sœurs pour nous dire dans surah Qaf ayat 35 Allah subhanahu wa ta'ala pareil comment fin vin dans surah Yunus lahumma yasha'una fiha akiban aban habitant de Jannah. La humma yasha'u nafiha. Je te pougain ça qui je te oulé là-dedans. Je te pougain ça qui je te oulé. Ça qui je te oulé là-dedans. Fiha wa ladayna mazid. Et ensuite, nous, ena encore. Nous, ena encore. Mazid, c'est quoi? Depuis ça, ayat là, chers frères et sœurs. La humma yasha'u na. Excepté que Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous qui est un habitant de Jannah. Tout ça qui lui oulé, lui pour gagner. La humma yasha'una. Yasha veut dire endimoun tout ça qu'il y voulait excepté li pour gagner. Wa ladaina mazid et nous prenons encore. Encore c'est quoi alojbe? Tout ça qu'il y en a li pour gagner. Tout ça qu'il y rodé li pour gagner. Al mazid c'est quoi dans sa ayat là chers frères et sœurs excepté qu'il y guette Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Sourate Ar-Rahman. Sourate Ar-Rahman. Réponds-lui bien ce dire. Wa yabqa baqiya. Baqiya veut dire rester. Wajhu. Get bien. Dhamma. Wajhu. Rabbika. Rabb la vina ken kasrali. Qui fait ou peut jouer avec Dhamma fatra kasrali? Ou nous refait nous vina maktab? Oui.
parce qu'il peut y avoir un fatra, un casseron, un dame qui vient pour à peu près. Chers frères et sœurs, nous prenons Ayat là en gros. C'est juste après avoir que Allah subhanahu wa ta'ala finja kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram. Allah subhanahu wa ta'ala de sa ayat là peut montrer nous un. C'est manquement créature. Enzo nous pour finir nous. Dit tout seul pour rester. Enzo nous pour finir. Dit tout seul pour rester. Mais seulement get comment une service expression. Get comment explique nous sa ayat là. Il dit wa yabqa wajhu rabbik. Ça qui dit ça là, ça. Ça qui causait là. Moi, qu'est-ce qui causait là? Wayab kawajou rabbik. Qu'est-ce qui dit ça là? C'est Allah lui-même. Si Allah peut dire moi, son visage pour rester. Wallah, mais moi, je comprends ce qu'il fait. Mais pas pour accepter qu'il te donne un visage. Parce qu'il peut même dire ça. Et guette bien, qui a dit qu'il mette l'emphase là, là pour lui décrire le visage là? Le mot watch qui vient prendre, d'homme. Rabbika, Rab prend Kassra. Zou prend Dhamma. Qui fait? Parce que ce mot Zou là, il attache avec le mot Wadj. Le mot Zou, il attache avec le mot Wadj. Oui, chers frères et sœurs, quand nous guettons par exemple la fin, même sourat, Fatabarakasma, Rabbika, Viljalali. Là-bas, le mot Zou l'attache avec Rabbik. Donc, il vient dire. Mais ici, le mot Rabbika, le fait qu'il vient Zou, il retourne avec Waj. Wayabqa Wajhu Rabbika Zul Jalal wal Ikram. Al Jalal wal Ikram, chers frères et sœurs, dans sa ayat-là, c'est des adjectifs concernant visage Allah. Al Jalal wal Ikram, c'est des adjectifs. Depuis sa ayat là, qui peut décrire nous visage Allah. Al-Jalal qui veut dire. Al-Jalal, comme un savant, amène Al-Hazama, veut dire grand. Grand, pas le grandir. Grand, le quoi? Le beauté. Al-Ikram, Ikram, Karo Akrama, Yukrimon, veut dire généreux. Get Njimun Koli généreux. Quand ou get li, est-ce qu'il watan sa figure pour boxer? Est-ce qu'il watan ni pour une figure Dieu avec lui? Est-ce qu'il watan. Ou bien quand vous êtes lui-même pour sourire avec lui. Ou bien quand vous êtes lui-même pour bon pour guetter. Walillahi al-mathalul a'la. Et pour Allah plus grand l'exemple. L'exemple plus haut, c'est depuis Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères, c'est al-jalali wal-ikram, c'est des adjectifs de waj. Parce que le mot waj, fin prend d'homme, et zou fin prend d'homme. Donc sa décalité-là peut référer à. Visage Allah subhanahu wa ta'ala dès là les clés chers frères et sœurs qui Allah subhanahu wa ta'ala est un visage. Une question vini à c'est comment il était de me dire un visage, comment il était à ça dit mon là nous dit laisa kamithlihi shay. Allah même dit nous dans sourate Shura ayat 11 laisa kamithlihi shay. Ben non et comment dit donc parmi nous là, donc parmi ban qui peut écouter après quand il dit nous Allah est un visage, est-ce qu'il dit comment pour nous? Qui fait? Parce qui? Laisse ça comme il dit. Pena non, il dit comment dit? Donc, ça qui est avec nous, nous croyons, c'est quoi? Allah est un visage, oui, non? Est-ce qu'il seulement nous connaît comment il était? Nous acceptons, Yéna, mais seulement nous acceptons qu'il ne nous pas connaît comment il était. Qui fait nous accepter qu'il ne nous pas connaît comment il était? Parce qu'il dans Surah 20, Surah 3, ayat 110, il dit Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Et peina personne parmi eux, autres connaissances pour capable connaître. Qui ça parmi nous pour connaître? Personne. Wa la yuhituna bihi ilma. Personne parmi eux pas pour capable connaître concernant lui Allah. Donc l'Indien nous y a un visage. Nous acceptons lui ou non? Est-ce qu'il nous capable poser la question comment? Laisse ça comme il dit. Puis non, il dit comment lui. Donc dans vide, il pense comment dire pour nous. Ensuite, l'Indien nous voilà, il est un habillé réellement. Personne sans connaissance pas capable de faire lui comme imaginer, comme éditer, comme réfléchir pour y arriver comment? Comment Allah subhanahu wa ta'ala accepter, chers frères et sœurs, accepter qui? Samirna wa atarna. Nous entendons, nous accepter. Comment il était, comment nous disions depuis le début, ça n'est pas pour avec nous. Pour nous continuer, pour nous vers la fin, chers frères et sœurs, à partir de là, nous prenons l'ayat Qur'an. Qui Allah subhanahu wa ta'ala amène vers nous, pour cause de la patience. Qu'est-ce qu'il dit?
dans sourate Al-Ra'd, ayat 22, وَالَّذِينَ صَبَرُوا إِبْتِغَاءَ أَوَجْهِ رَبِّهِمْ. Ban qui prend patience, zis pour en retour, je suis capable, trouve je propre ce visage. Dites comment Allah peut dire nous ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَالَّذِينَ صَبَرُوا إِبْتِغَاءَ أَوَجْهِ رَبِّهِمْ. Ban qui prend patience, ou en utilisant à l'élan, Waj, veut dire figure. Si nous prenons bien, nous disons visage, sous traduit en anglais, il vient face. Mais seulement ici, il y a traduit countenance. Puis évite pour dire Allah est un visage. Ça même qui ne nous a pas évité la chef. Pas nécessaire de nous connaître ça qui vient traduit. Mais seulement nos croyances, quand Allah dit nous, Waj, il veut dire visage. Ça même nous pouvons escape, ça se tire. Nous, là. Oh Allah, tu es un visage. Parce qu'il te même qui dit à nous, dans surah Az-Zumar concernant dépenses, fati dal qurba haqqahu wal miskina wabna sabil dhalika khairun lil ladina yuriduna wajh Allah. Don to ban proche zot hak, don ban miskin ban voyager zot hak, dhalika khairun lil ladina yuriduna wajh Allah. Et ça li meilleur pour ban kopé dépenser, je perro de piété, je perro de visage Allah. Attention, ken qui ken al traduire le mot watch pour plaisir. Oui, parce qu'il y en a capable de dire, bon, non, nous dépenser pour gagner plaisir à Allah. Faire différence entre gagner plaisir à Allah avec pour trouver visage à Allah. C'est des petites choses. Plaisir, c'est pour ça qu'il nous prend l'île, il veut dire ridoir. Il veut dire ridoir. Il y en a son signification dans le langage arabe. Ici, il peut dire nous watch. Watch, c'est quoi? C'est pas satisfaction, c'est pas plaisir, c'est pas récompense. C'est visage à Allah directement. Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, dans surat Al-Insan, surat 76, concernant de nourriture, il dit innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wa la shukura. Ça mange qui une cuit la case là. L'état où pied aller au pied de sa pauvre là. L'état où vient ou les deux ou retourner. L'état où rentre la case. Banadia ou kilindia. Merci, c'est pas dire dans le flamous. Zami, tu penal pour t'en dire merci toi. Tu pas nal pour t'en dire jazakallah. Tu pas nal pour t'en jour les récompenses de ça qui te fait. Non, mais qui fait ton acquis de manger ali? C'est pour qu'à trouver Allah ce visage jour qu'il y qui fait mon faire ça? En retour mon papi attend? Non rien. Inna ma nut'imukum liwajhi Allah. Certainement nous payons nous autres ça ton âme là, ça nourriture là. Liwajhi Allah pour visage Allah, parce qu'ils m'ont envie de trouver lui. Donc le latin moi pour faire ban action qui pour faire moi. Vite pour mes qui pour trouver ça. La nourriture minkum jaza, ne parlez aucune récompense avec eux. Voilà shukura, ni même remerciement. Donc quand nous donner, pas dire nous merci, pas mettre nous dans la liste ban qui nous donner, pas inviter nous la cause nous pour ban qui donner. Est-ce que ça affecte nous? Zami chef. Ça pas gain droit affecter nous. Mais tout ça qui te donné là, oui. Et au fait mon donné, inchallah m'espérer Allah subhanahu wa ta'ala pas pris moi pour trouver ce visage au qiyama. La cause ça m'avait fait ça. La cause à moi, je peux faire ça. Et pareil comme ça, même chers frères et sœurs, de sourate Al-Layl, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Il abtira à wajhi rabbihil a'la. Excepté les pérodes wajhi rabbihil a'la. Ça a été là, je vais comme ça même. Connais-tu faire? Mais alhamdoulilah, au fait, nous avons déjà cité cet événement-là ici. Mais seulement, nous avons besoin de reprendre pour qui ça a été là et la relation avec lui directement. Certaines personnes qui dans ma cas, ben navine avec lui, j'ai dit comme ça, oh un tel, et même qui embrasse l'islam, ben n'a pas fait dominer avec lui. Et tu connais qui est dans cas un peu, y aller. Lui dit avec son propriétaire, son maître, sa esclave là, comme il te estime lui. Et propriétaire là connaît ton père Stéli, la cause d'une iman, qui lui fait? Il triple prix là. Il triple lui. Parce qu'il me connaît, tu m'as dit, la cour musulmane, comment toi ça? Ok, les triple prix là. Il n'a pas fait non, moi c'était lui. Il y a c'était lui. Chers frères et sœurs, les temps esclaves là viennent avec lui, il dit, ne m'a pas dit, c'est toi qui viens pour moi. Malgré qui? À l'époque là, tu gagnes droit ça. Il dit, ne m'a pas dit, c'est pour libérer toi. Mon n'a pas pour libérer toi. Il l'a dit, oh, à wajhi rabbihil a'la. Il fait c'est la cour, ça, chers frères. Sa personne a fait ça, la cause, ça ayat là. Ça ayat là, descend là. Ibleb tira awadji rabbihil arla. Li ou les is bin pomi ban ki pou trouve visage. Allah subhanahu wa ta'ala. Li libé un esclave.
qu'on est capable de libérer un esclave, nous pas pour cause de 2 millions, 3 millions, là. Nous pas pour cause pour des millions, etc. Pour libérer un esclave à cette époque-là. Il fait ça malgré qu'il connaît prix là, une montée, mais seulement, t'en celui qui est dans l'iman, pour mourir, si trouve Allah son visage, moi libère-toi. Chers frères et sœurs, sa personne qui finit être libérée là, sa personne qui finit être libéré là. Quand un sahaba vient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit comme ça, « Ya Rasulallah, nous je peux calculer, nous je peux guetter, mais comment pour faire pour appeler le monde vers salat, vers namaz, mais hier, je fais un rêve, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha, il récite adhan complètement. » Rasul sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit oui. Nous servis ça même. Il dit, « Al crier, Bilal radiyallahu anhu. » J'ai dit, monte là aussi, cette phrase là. C'était Bilal radiyallahu anhu qui était cet esclave là. C'était Bilal radiallahu anhu qui dit ça, esclave, esclave là. Chers frères et sœurs, excepté si nous pouvons suivre depuis le début, sa première personne qui nous amène cette parole pour prouver nous qu'il offre Allah subhanahu wa ta'ala un visage, excepté c'est Abu Bakr radiallahu anhu. Et c'est pour lui-même qui ça fin descend, et c'est pour lui-même qui lui fin libérer Bilal radiallahu anhu. Qu'est-ce qu'il fin fait, chers frères? Veut dire, il pas dit ce cause, il pas dit ce cause. Il n'y a pas fin de décrire, fait tafsir sa ayat là. Non! Quand il n'a pour dépense casse, même tu peux multiplier, afin qu'il me trouve visage Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pour faire lui oui non. La preuve devant nous, chers frères. La preuve devant nous. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala met plus clair. Il l'abdira à wajhi rabbihil a'la. Tu peux demander qui fait lui faire ça? Qui fait lui faire ça? Vous pouvez comprendre là? Qui a été en dans eux et n'a ça? Ça wonce là, ça chauffe là, ça l'envie, ça désir là. Peu dépense qu'à se multiplier, parfait non. Une fois, Maurice se trouve, pas Allah. Maurice se trouve, visage, Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, pour une dernière ayat qui est avec nous, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala de surat al-Baqarah, lui dit avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, يعوداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. بنا لو توا محمد بتو جيت زوت مي سيلمان الله جيت ساكي ليلي اولي وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ديبونس كي تو فير ساليفين بو توا وما تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. اي اوسي بان ديبونس كي تو فير بو تو تروف visage Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, ça c'est ban ayat. Nous disons bien ban ayat qui c'est lui qui nous peut apprendre concernant lui. Allah subhanahu wa ta'ala lui peut cause avec nous pour dire nous lier un visage. Est-ce qu'il y a quelqu'un capable d'une autre explication qui parole qui lui-même lui servit? Est-ce qu'il nous peut trouver ça acceptable? Donc de là, chers frères et sœurs, basant nous sur ban ayat là, nous croyons si bien clair. Allah subhanahu wa ta'ala un visage oui non. Oui, oh Allah, tu as un visage. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, enseigne-nous. Pour demande-toi, pour nous retrouver toi, pour nous retrouver ton visage. Ensuite, dans le Coran, dans plusieurs ayats, tu as un visage. Comment y était, oh Allah, nous pas pour connaître, parce qu'il n'y a pas rien qui est comme toi. Comment y était, oh Allah, nous pas pour connaître, parce qu'il n'y a aucune connaissance qui est capable de connaître comment tu étais. Ensuite, Inch'Allah, chers frères et sœurs, l'autre semaine, ban hadith. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigne-nous qui ban habitant de Jannah pour trouver visage Allah subhanahu wa ta'ala et plus encore quand un sahaba vient avec lui djali, ya Rasul Allah, qui t'a trouvé dans mes raj? Quand il te cause avec toi, qui te fin trouver? C'est ça qui prend avec nous, Inch'Allah, le semaine. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajmarin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.